Arrêtez tout. Arrêtez de faire genre. Ils sont là, tous en train de faire des vidéos GeoGuessr sur GTA 5 en mode ouais, moi je connais GTA, machin, tac 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 tac. À chaque fois, toi t'es là, en commentaire, tu dis t'es trop nul. En fait, c'est ici, nanani, nanana. Bon, les gars, on va mettre tout le monde d'accord aujourd'hui. Eh bien, salut toutes et à tous, la compagnie. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nouvelle petite vidéo assez différente de d'habitude. On va jouer à GTA GeoGuessr. Pour ceux qui connaissent GeoGuessr, c'est un jeu un peu à la Google Maps, hein, tout simplement. On te met dans un endroit et tu dois deviner à peu près où c'est et être le plus proche possible grâce à Google Street View. Voilà, c'était les pires explications possibles, mais j'ai fait de mon mieux. Et pour la plupart d'entre nous, les gamers, on connaît mieux la map de Los Santos que notre propre ville dans laquelle on habite dans la vraie vie. Ça, c'est quand même grave, mais c'est vrai en plus. Et du coup, je me suis dit, moi, comme j'aime beaucoup GTA 5, j'ai passé énormément d'heures depuis 2013 sur ce jeu et que, ben, clairement, je la connais par cœur. En tout cas, c'est ce que je pense. J'avais envie de me tester et de voir si, si j'étais fort ou pas, quoi. Tout simplement, voilà. On commence avec le mode easy, donc le mode facile. Pas de timer, on a le temps. Oh shit, here we go again. Et on se retrouve sur une très jolie route. Ok, j'ai déjà. J'ai déjà, je sais absolument où on est. Ah non. Bon là évidemment on a le Mont Chiliad, hein, ça c'est pas non plus très compliqué. On sait qu'on a un petit raccourci ici, une petite route ici. Mais du coup ça me fait penser à un endroit. Mais il est censé y avoir une route là-bas. Bon écoutez, déjà dans un premier temps, ma première intuition c'était là. Moi je me souviens, je prenais toujours cette petite route là au lieu de faire le grand tour ici. Et du coup pour moi on serait genre vers là, tu vois. Mais en même temps, il faut qu'il y ait une route ici à droite et je la vois pas ici moi à droite. Alors là, on a en vue le Mont Chiliad. Et là, le Mont Chiliad, il est pas pareil. Donc ça veut dire que c'est pas ici. J'ai trop le seum de pas trouver déjà le premier. Mais tant pis, je vais pas faire un autre call. Et il faut toujours suivre sa première intuition. Donc on va dire que c'est ici. Ah putain, c'était vraiment pas loin. C'était vraiment pas loin pour le coup. Et ouais, il y a un petit chemin ici. Eh ouais, putain, mais on est où là? Ah ouais, tu traverses de l'autre côté. Mais c'était grave logique en plus. Oh, j'ai trop le seum! 824 mètres. Bon, allez, ça va, ça reste relativement correct. Hein. J'ai juste 0 points. Voilà, ça régale. Ok, bon, là, on est du côté... Ok, bon, là, il n'y a aucun doute. On est sur l'autoroute. Juste avant. Bon, voilà, juste avant le village. Là, on a donc... je sais plus comment ça s'appelle, Blaine County. Je dis peut-être des bêtises maintenant. Et puis là, on a le Mont Chiliad, évidemment. Là, c'est super facile. Donc voilà, on a le village en question ici. Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Est-ce que la route, on l'a déjà passée ou pas? Là, il y a la route en par... Alors, attendez. Là, ici, il y a cette route qui est là. Elle est devant, là-bas. Enfin, derrière, du coup. Donc, nous, on est là. Déjà, on l'a passée. Ensuite, il y a un autre chemin qui va à gauche avant de rentrer dans la ville. Mais non, on est dans la ligne droite. On est là. On est là, on est là. Oh, putain. Bon. Allez, j'étais entre les deux. Ok, bon, ça me fait 4863 points, c'est déjà ça. Là, on est dans les champs de vignes. Vinewood, j'ai envie de vous dire. Et on est de l'autre côté, donc, de la ville. Toujours avec le Mont Chiliad en vue. Alors ça, c'est vraiment... C'est ce qui aide énormément. Mais là, moi, je connais cette route parce que... Je sais plus, il y a une maison pas trop loin, un bâtiment. Je sais plus si c'est un hôtel ou un restaurant. En gros, c'est dans ces chemins-là. Voilà, plutôt... Voilà, bah déjà, là, on voit les vignes. Hein. On les voit, les vignes, ici. Voilà. Et bah, juste en bas... T'as le carrefour, et là, le virage qu'on voit là, c'est le virage là, donc on doit être là, entre deux champs. Le champ qu'on voit à gauche ici, c'est ce champ là. Et là, on a le champ à droite. On est proche quand même du virage en haut, donc je mettrai là. Oh, j'ai le maximum de points, je crois. Let's go! 5000 points, je suis pile dessus, mon pote. Ça régale. Alors là, on est du côté du motel... Ok, du motel, garage. On a le Los Santos Custom qui est gratuit juste à côté. On est au croisement sans aucun problème, messieurs, dames. On est ici précisément. Ici précisément, messieurs, dames. Je shot direct. Voilà, allez hop là, le maximum de points, c'est pesé. Alors, c'est super, on est exactement là où on avait commencé. C'est super, il m'a mis comme voilà, au premier, à la première manche. C'est pour voir si on s'en souvient en fait. Donc moi je croyais que c'était ici, sauf que du coup c'était là. Hop, comme ça, ça me fait des points gratuitement, bien évidemment. Ok, donc ça me fait un total de 19 863 points. J'aime bien, le niveau facile, il est validé. On va passer au niveau médium. Oh shit, here we go again.
Allez, c'est parti. Ok, facile. On a l'observatoire qui est juste là. On a la ville qui est juste là. On est dans les bâtiments riches, etc. Tac, 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 tac. Donc on est là-haut. L'observatoire, l'observatoire. Ça y est, je stresse. Le fait qu'il y ait un timer, maintenant, ça me stresse. Wesh, l'observatoire! Je suis trop nul. Je suis trop con. Là, on a la salle de trucs. Là, l'observatoire, il est là. C'est ici, messieurs, dames. Regardez. Hop. Paf! Allez, ça régale. Manche suivante. Ça, ça me fait plaisir. Vous savez que mon ego, là, mon ego, il est heureux. Ok, je vais même pas chercher à me justifier. On a le grand bâtiment où il y a une grande mission là ici. Tac ici, voilà, on est par là. Maintenant, faut juste trouver vraiment le ah bah là la station essence. La station essence, bah messieurs dames, on est juste ici précisément. Allez, ça régale, 5000 points. Ça fait du bien. J'ai si mal commencé en plus, ça m'énerve. Mais non, mais ils me remettent encore là. Mais ils me remettent encore. Mais attends, mais ça fait 3 fois qu'ils me mettent au même endroit par contre. Mets-moi un truc un peu plus dur là. Vas-y. Ah, on a les... Ah, oh, les bâtiments... Enfin, les bâtiments. Le chantier, les grues en construction, ça a jamais été fait. Tout le monde pensait que ça allait se mettre à jour et qu'il y aurait des bâtiments et tout, alors que pas du tout. Et ça se passe, messieurs, dames, précisément. Là, c'est la merde. Là, c'est la merde parce que je sais où c'est. Et ça va très vite m'énerver parce que je sais vraiment où c'est. Ici. Oh non, pourquoi j'ai bougé? J'étais bon, j'ai perdu des points. Bon, en tout cas, c'était bien là. Avec le chantier ici, là, il y a la prison. Et là, du coup, je me souviens, j'avais fait un épisode LSPDFR à l'époque. Donc, c'était du roleplay policier. Et je faisais des courses-poursuites avec, avec les individus. Et c'était trop marrant parce qu'il y avait des boss partout, quoi. Bon, c'est la petite anecdote. Ça nous fait du coup un total de 23 000 points. Et messieurs, dames, dernière partie maintenant en version hard, en version difficile. Là, cette fois-ci, on ne peut même plus bouger la caméra. On peut pas bouger, mais on a ce... je sais plus comment ça s'appelle, ça. Mais c'est super. Et il y a la police qui est pas loin. Le poste de police qui est pas loin. Ah là 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 là. C'est par là, c'est par là. C'est par là. Le bâtiment, il est là. Tac, 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 tac. Je sais pas c'est quelle route, mais je... Oh putain, j'ai trop le seum. C'est ici. Oh! Ok. Allez, pour moi j'avais une chance sur 3, mais c'était soit là, soit là, soit là. Bah voilà, allez, c'est bon, ça régale. J'adore. J'adore ce qui se passe. Bon, ça c'est la quatrième fois qu'on est... bah on l'avait aussi avant. Ouais, c'est ça ce qui est chiant, c'est on l'avait déjà avant, c'est au niveau du chantier ici, là, hop. Allez, puis le dernier, s'il te plaît, dis-moi que c'est un nouveau truc. C'est une blague. C'est quoi, je vais relancer encore un hard pour voir s'il va pas me changer les images. Ah, une nouvelle image. On est sur l'autoroute avec une vue sur Vinewood. Donc on doit être très certainement sur l'autoroute la plus à droite. Ou pas forcément. Non, pas du tout. On est même pas sur l'autoroute la plus à droite. Il y a le stadium qui... Il y a le... Oui, 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 le stadium. Là, à droite, là, le truc ici. On a déjà traversé les ponts, c'est possible. Allez, on est là. Je tente ici. Oh putain, c'était bien avant. C'était bien avant. Oh, j'ai trop le seum. Bon, en tout cas, j'étais pas loin, mais ok. Ça me casse les couilles. Pourquoi ils mettent les mêmes images? C'est impressionnant, ça. Bon, malheureusement, c'est un petit peu buggé, mais très sympa tout de même. GTAGeoguessr.com, voilà, ça régale. N'hésitez pas à vous tester vous-même. Bon, voilà, vous risquez de rotationner sur les mêmes images, alors qu'en vrai, il y a quand même un potentiel énorme. Mais bon, malheureusement, voilà. Après, on peut pas tout avoir, c'est pas un vrai jeu non plus. C'est un navigateur à la base, donc c'est une page internet. Vraiment bien pour se tester. C'est pas si facile que ça en a l'air, mais en vrai de vrai, c'est quand même facile parce qu'on a eu quand même assez d'heures sur le jeu, disons-le, on va pas se mentir. Je suis pas du tout pro GeoGuessr. Par contre, vu que c'est GTA 5, je trouve ça vraiment stylé. Par contre, si vous avez envie de me voir sur GeoGuessr ou même sur des d'autres jeux vidéo éventuellement, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire avec les petits pouces bleus. Et puis si jamais ça flop, eh ben j'ai compris, c'est que ça vous intéresse pas, et puis j'irai aller me faire foutre.